Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 6 de notre série Crash Bandicoot 100% sur PlayStation 1. Bon, je vais pas vous dire à chaque fois on rentre dans le dur, mais là nous allons découvrir le premier niveau avec la première clé. Il s'agit du niveau Sunset Vista. Alors vous remarquez la longueur de la vidéo, il n'y a que deux niveaux dessus, dont celui-là qui en fait quasiment 9. Ouais, va y avoir du sport. Donc, pas besoin de diamants de couleur pour finir ce niveau, juste de la patience et de la dextérité. Alors, je vous disais, c'est le premier niveau où on va débloquer une clé. Il y en a un autre, plus loin. Il s'agit de Jaws of Darkness, que nous verrons beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est assez galère. On reconnaît l'ambiance temple de The Lost City. Avec, comme d'habitude, les chauves-souris, les piliers qui bougent et les fameux lézards. Le timing est assez particulier entre les chauves-souris et sauter sur les lézards, mais ça se fait bien. Là, j'ai failli me rater. C'est passé juste, juste. Ouh, les plateformes alternatives. Alors là, je ne sais pas comment c'est passé. Le masque était tout seul, pas une caisse. Alors c'est toujours bon d'avoir des masques, même si quand c'est les niveaux timing, bah, ça sert pas trop à grand chose. Mais bon, avec les lézards qui se promènent et les petites bestioles, ça peut valoir son besoin de quelque chose. Alors une question de timing, il faut éviter les chauves-souris et la torche. Oui, il va falloir apprendre à jouer avec les lézards, parce que là, ça ne servait pas à grand chose au tissu. Bah, pas pour le tuer, mais après ça peut être extrêmement utile de bien savoir où faut-il se placer. Bon, on avance pépère dans la vidéo, mais on sent quand même que ça devient compliqué de pas perdre de vie bêtement. Les plateformes qui ne restent pas, c'est génial. Les torches qui passent au niveau des plateformes, c'est génial aussi. Bon, il n'y a pas de gros pièges pour l'instant. Hein. Toutes les caisses sont visibles. Oh, celle-là. Il faut juste faire attention où on met les pieds. Oui, enfin, pas de gros pièges. Là, ça va commencer à devenir pénible. Voici un passage où le mot timing a tout son sens. Alors vous avez bien constaté qu'il fallait être couillu pour passer comme ça. Alors là, il va y avoir un troisième masque qui ne sert exactement à rien. Ah oui, je suis en train de visionner en même temps que vous la vidéo pour faire mon texte. Et je constate juste une chose, c'est que ça fait déjà 4 minutes et je n'ai pas eu une seule tête de Cortex. Je vous explique, pour avoir la clé, il faut faire le bonus stage de Cortex. Quand vous jouez normalement Crash Bandicoot 1, vous avez les bonus avec Towner, c'est juste pour sauvegarder. Avec Brio aussi, c'est plus relou, mais voilà. Et puis avec Cortex, bah, ça permet de débloquer les clés. Il faut les 3 têtes. Et là, on a fait la moitié du niveau et on n'a pas vu la moindre tête. Ah, et bref, je vous disais à quoi servent les lézards. Vous voyez la petite caisse grise là-haut? Il faut attendre que le lézard soit dessous pour aller la taper.
Sinon, on en rate beaucoup de caisses, et notamment la première tête de Cortex. Donc là, j'ai le masque, mais le souci, et je sais pas si ça va servir quelque chose avec, voilà, avec les piliers, il ne s'arrête pas, hein. C'est dommage. Donc, pour les chauves-souris, rien à craindre. Ni les flammes. Alors, pareil, il faut pas se rater dans le timing du masque, sinon on perd bêtement. Ah, encore quelque chose de sympathique. Le rebond sur les deux caisses. Cette tête est pas facile à voir parce qu'il faut rebondir sur les deux caisses et également sur les piliers. Et là, j'ai eu une chance folle, encore une fois, de pas finir dans le rabat. Et pourtant, je fais pas le malin. Oui, et pas dire, c'est mes passages préférés, ceux-là. Donc on a vu une tête pas facile à avoir et quelques caisses cachées. Bon, pour l'instant c'est pas du insurmontable ce niveau, c'est juste qu'il est très long. Et il faut connaître bien sûr le timing de toutes les plateformes pour ne pas perdre. Car oui, je répète, la difficulté de Crash on écoute, c'est que pour avoir le diamant de toutes les caisses, bah il faut pas crever, en plus d'avoir toutes les caisses. Ah, la troisième tête de Cortex. On va attaquer les niveaux bonus qui sont extrêmement pénibles. Car là, c'est juste du timing, car il n'y a que des caisses de TNT. Une chance folle, j'ai l'impression que c'est la TNT qui m'a propulsé. Et donc voici notre première clé. On est content. Voilà, faut juste retrouver le chemin normal. Encore très chanceux quand même que les plateformes soient collées au mur. Sinon, je passais entre et j'aurais ragé tout ce que je pouvais. Et on continue à escalader ce temple qui est beaucoup plus haut que le précédent. En plus, il y en a 3, donc ça va plus vite que quelqu'un sur le jeu. On arrive à escalader. Oui, ça, c'est les plateformes les plus rapides en fait, au niveau. Mais c'est passé. On transpire beaucoup quand même dans ce niveau. Bon, puis à force de jouer, on est traumatisé de rater des caisses. Mais il vous rassure, il n'y en a pas dans ce secteur. Pas de caisse cachée. Juste un con de lézard là. En plus les rouges vous suivent. Mais bon, on est arrivé à la fin. Youpi. On profite pour faire également le plein de vie. Ce qui est très cool. Donc le niveau n'était pas hyper difficile. Il n'y avait pas de gros pièges. Il nous dit juste qu'il est très long. Il faut rester concentré et prendre son temps, vous avez pu le constater à certains endroits, pour bien analyser les patterns. Alors vous constaterez que sur ma vidéo j'ai zéro clé, c'est que je n'ai pas eu le diamant en même temps que la clé. Ah bah oui. Et donc cette clé nous ouvre un niveau. Une fois qu'on a fait Boulder Dash, il nous ouvre Wall Wog. Pardon pour mon accent anglais. C'est le deuxième niveau de dos à Sanglier. Oui, celui-là c'est un niveau caché. Donc il est un poil plus long que son prédécesseur, donc un poil plus technique. Oui, c'est un terme poli pour dire plus casse-pied. Qui est encore un terme poli. Là, le souci, c'est qu'il faudra appuyer sur le bouton saut lorsque vous allez passer sur le rocher rebondissant, sinon c'est trop court. Et il faut connaître un peu le milieu. Ça va, où sont passés les adversaires, où est-ce qu'il faut sauter les cochons en roche, où est-ce qu'il faut pas. Et bien sûr, on peut mettre le chemin de vitesse. Et ça va.
Et comme d'habitude, j'adore cette musique. Et voilà, niveau fini, tout facile. Et ainsi s'achève cette partie 6, qui n'a représenté que deux niveaux, mais quand même un qui va faire 9 minutes. Bon, j'espère que ça vous aura aidé à finir le jeu. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut !